Les Stéphanois, bien sûr, à droite, en vert, attaquent quand même avec beaucoup de conviction cette partie. Et Henri Michel nous dira, après le match, qu'il avait été rassuré quand il avait vu son équipe ouvrir la marque dès la 10e minute. Un très joli but signé par un jeune garçon qui fera ses débuts internationaux samedi prochain et qui ici, dans sa moitié de terrain, regardez-le bien, prend le ballon. Notre camarade Villa le suit et il a raison de le suivre car au bout, il va y avoir le premier but, un but splendide marqué d'un tir du pied droit de 25 mètres qui trompe Kurkovic. Maxime Bossis, un arrière dont on reparlera, il symbolise lui aussi cette nouvelle vague du football français.